Eh bien salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars, aujourd'hui on est là pour un nouvel épisode de la nouvelle série qui n'a pas encore de nom d'ailleurs, car c'est vrai que je ne lui ai pas encore donné de nom. Donc c'est en gros une série où j'incarne des métiers. La dernière fois nous étions en postier, sauf que aujourd'hui je me suis dit que jardinier, ça pouvait être cool. Pourquoi jardinier? J'en ai aucune idée. Récemment, il n'y a rien qui m'a fait penser à un jardinier. Mais je sais pas, j'ai eu cette idée-là, j'ai trouvé un mode, j'ai testé, c'est bien sympa. Et du coup, on va faire une petite vidéo. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vais tout simplement vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller me rejoindre sur mon Instagram. Sur Instagram, tout simplement, parce que je vais mettre des photos un petit peu plus, en gros... Comment ça se passe derrière YouTube, j'allais dire qu'est-ce qui se passe derrière YouTube, mais ça veut rien dire, ce n'est pas français. Donc comment est l'envers du décor de ma chaîne YouTube. Et à ma chaîne YouTube pour ne rien louper, car comme cette série là, et ben c'est nouveau. Et pour ne louper aucune nouveauté, je vous invite à vous abonner. Du coup là on va directement se diriger à l'entrepôt municipal. Là où on range tout le matériel, tous les tailleux et tous les trucs comme ça pour tailler. On va prendre notre petite voiturette et on va partir directement sur notre première mission. Donc je suis agent municipal pour ceux qui se demandaient. Je ne suis pas dans une société privée, je suis bel et bien agent municipal. Et j'aimerais bien que les gens ils avancent parce que à cette allure là on va pas faire grand chose dans la journée hein. Il est midi 3, on a 500 mètres à faire. Allez on va se le permettre, on est juste à côté de l'entrepôt. Hop là, on a une petite voiture de sport, donc oui, jardinier, c'est un métier qui paye bien maintenant, hein. Enfin, je dis maintenant, je ne sais pas du tout si ça payait mal à un moment. En fait, je ne connais absolument pas le métier de jardinier. Enfin, si, on connaît tous un petit peu le métier de jardinier, mais bon. Voilà, vous m'avez compris. Du coup, je vais garer ma belle voiture ici. Hop, là, on va se mettre tranquillement bien, de façon à ne pas l'abîmer. On va faire un petit truc, c'est la sauvegarder quand même. Parce que si jamais je me barre et qu'elle n'est plus là, ce serait dommage. Ok, allez, c'est parti, on va se mettre en tenue de travail. Ok, allez, bonjour, salut collègue, ça va? Ok, du coup, alors, déjà, je vais juste faire un petit truc, c'est remettre à midi. On va mettre à midi 5, vu qu'on était quand même à midi 5. Hop, là, nickel. Du coup, laissez-moi regarder ça. Face, qu'est-ce qu'on a? J'ai envie d'avoir les ces gants là, moi. Un t-shirt. Celui-là, il est bien. Un pantalon. Non. Ça, c'est bien. Ok, c'est parti. Du coup, nickel. On est prêt pour attaquer notre journée de travail. Il est midi 6. Hello, Carlos. Salut. Ok. Donc ça va être notre véhicule. Hop, là. Et on part où pour notre première mission? Ok, on part là-bas. Très bien. Hop, là. Eh bien, c'est parti, on part à notre première mission de travail. Donc, c'est mon deuxième jour. Hein. Le premier jour, c'était en gros la petite formation. Maintenant, je suis titularisé jardinier dans la ville de Los Santos. Du coup, c'est génial. On n'a aucun feu rouge. On va arriver beaucoup plus vite à notre travail. Nickel. Oh, désolé, le feu orange. Parfait. Ok. On est quasiment arrivé. Donc, si je me rappelle bien... Cet endroit-là, c'est une petite étendue d'herbe où il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, ça reste bien sympa. Ah, il grince les roues, la direction. Bon, c'est pas grave. Du coup. Qu'est-ce que l'on va faire? Allez. Oh, c'est nickel. Eh bien, j'étais en train de me dire que ça allait être long. Dans ma tête, ma petite voix, enfin une petite voix me disait que la vidéo allait être longue pour vous si jamais ça se passait que comme ça. Mais bon, finalement c'est bon. Hop, là le jeu en a décidé autrement. Et on va arriver directement à notre première mission. Alors... Ok, très bien. Nickel. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Là, j'ai ça. Qu'est-ce que je dois faire dans cette mission? J'arrive pas trop à comprendre. Bon, bah, c'est pas grave. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va... Hop. Il y a quelques feuilles au sol. Je vais prendre... Mon petit... Hop. Leaf blower. C'est un truc qui fait du vent. Hop là. Donc, regardez. Ça fait du vent comme ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire?
Est-ce que je dois nettoyer tout simplement? On va mettre quelques petites feuilles au sol, histoire que ce soit un peu stylé. Donc hop, je vais couper la machine. Le but, ça va être de retirer toutes les feuilles qui sont sur la route et de les ramener au niveau de là-bas. Hein. Et puis après, il y aura une machine qui va venir tout ramasser. Hop. Oula. On va éviter de trop, voilà. Hop là. Je vais déplacer le véhicule parce que du coup maintenant, il y a plein de feuilles dessus. Hop. On va éviter de rouler sur la machine parce que comme un débilos, je l'ai posé aux trois quarts sous la voiture. Ok, parfait, on va mettre ça là. On va le reprendre. Allez, reprends. Nickel. Ok, du coup. Hop. Ça, c'est pas bon là-bas. Toutes les feuilles, elles sont en train de partir au niveau de là-bas. Voilà, ok, parfait. On va ramener ça par là-bas. Je vais remettre ça dans le véhicule. Hop. Ok, nickel. Ensuite, non, c'est pas ça que je voulais faire. A small tree. There is no trees in the truck. Je n'ai pas d'arbre dans le véhicule. Ici, il n'y a pas d'arbre dans le véhicule. Et là? Non. Comment est-ce que je dois faire? J'ai du mal à comprendre, là, les gars. Ok, bon. Je vais aller dans le rond là-bas si je peux faire quelque chose, on va tester. Donc là, je ne sais pas trop, c'est la première fois que j'ai cette mission-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'arrive pas trop à comprendre ce qu'il faut faire. Je vais aller voir un autre petit... Je vais faire un autre petit tour aux alentours, voir si on n'a pas une autre mission. S'il n'y a pas un autre point, par exemple... Où il faudrait travailler. Oula. Désolé, j'ai failli cartonner. En même temps, le piéton il se met à traverser comme ça là. Donc, ici par exemple, y a rien. Non. Ok. Parce que la dernière fois, j'avais fait une mission ici. Mais j'ai bien l'impression que c'était la dernière fois. Du coup, alors attendez. Où est-ce que je vais trouver mes petits arbres moi? Peut-être qu'il faut que j'aille les récupérer là-bas. Temple 3. Il n'y a pas d'autres trucs où il faut que j'aille chercher du matériel. Non, j'ai pas l'impression. Bon, on va retourner là-bas. On va retourner au niveau du QG. On va essayer de voir si on peut trouver quelque chose. Ah, mais attendez. Bon, je vais tester un truc. Hop. On va se mettre là. There is no trees in the truck. Ici, c'est quoi? Ok, d'accord. Donc là, c'est la débroussailleuse. Hein. Enfin, c'est le taille A, par contre. Pardon. Hop. Je vais ranger ça. Et sur le toit, il n'y a pas des petits arbres sur le toit? Non, il n'y a rien. Bon, ok. On va retourner au niveau du QG. Hop, là. Donc, on va reprendre le véhicule. On va y aller assez rapidement. Hein. Un petit aller-retour en moins de 5 minutes. Voir si c'est pas là-bas qu'il faut que j'attrape quelques petits trucs. Oula. C'était quoi ça? Oula, c'était des coups de feu, c'était quoi? Dites-moi en commentaire si vous avez entendu le petit bruit. Et dites-moi si vous savez ce que c'est. Parce que honnêtement, là, moi, je n'arrive pas trop à identifier si c'est des coups de feu ou non. J'avais plutôt l'impression que c'était un petit pistolet qui tirait, mais c'était très sec. Du coup, voilà. Hop. Voyons voir. Oh, il y a toujours mon véhicule, c'est génial. Hop là. Je vais retourner au niveau du QG, voir si je dois récupérer du matériel ici. Finish your job to get paid. Ok. Ok, très bien. Bah, du coup, c'est peut-être dans ce véhicule-là qu'il y a des arbres. Attention. Non, il y a rien dans celui-là. Eh ben, où est-ce que c'est qu'on a des petits arbres? Je ne sais pas.
C'est bizarre. There is no trees in the truck. Bon, ce que l'on va faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Et on se retrouve dès qu'on a une prochaine mission, les gars. Alors les gars, j'ai contacté mon boss et du coup là il est 14h tout simplement parce que j'ai pris ma pause déjeuner en même temps. Donc ma voiture, je l'ai garée autre part. Et en fait, mon boss m'a expliqué que la mission qu'on avait là, il fallait prendre les petits arbres qui étaient ici et les déposer sur le toit du véhicule. Donc on va essayer de les prendre. Alors comment on fait maintenant? Ah, ça c'est une autre étape. Hop là, je prends un petit arbre. Je vais le mettre sur le toit de mon véhicule qui est juste là. Hop, on va essayer de faire les choses bien. Hop là, tranquillement. Ok, très bien, nickel. Est-ce que je peux en mettre plusieurs? C'est une très bonne question. Ok, donc... Et après ça, il faut que je les plante tout simplement. Eh bien, à l'endroit où il y avait le petit rond. Enfin, le petit... Ok, je vais en prendre 3, comme ça, on sera large. Ok, nickel. Eh ben, si on m'avait dit ça directement dès le début, on n'en serait pas là. Hop, on va en mettre un petit troisième là-bas. Ok, nickel. Et c'est parti, on va directement aller sur le lieu là où on doit planter les petits arbres. Hop là. On va bombarder, hein. Je suis désolé, on va bombarder parce qu'on a perdu suffisamment de temps dans la journée. Normalement, ça aurait dû être fini depuis ce matin, ce petit job là, avant de manger. Mais comme on a eu le petit contre-temps, vu qu'on nous avait pas dit ce qu'il fallait faire, comment nous expliquer, eh bien voilà, on est reparti. Hop, on va faire ça. Bon, j'ai cru que j'avais cartonné sur les véhicules qui étaient stationnés sur la droite. Hop là, attention, le petit stop, ça c'est dangereux. Oula. Eh, c'est bon. Oula. Ok, nickel. Alors, c'est là, je dois planter des arbres. Ok, alors on va prendre le petit arbre, tout simplement. Hop. Ok, small tree. Parfait, on va le mettre là-bas. Comment ça marche? Ok, nickel. Ok, d'accord, donc là j'ai planté, heureusement que j'en ai pris 3, parce que je crois qu'il faut en mettre 3. Hop, un autre petit deuxième. Au même endroit, enfin au même endroit, sur la même longueur. Hop. Eh ben, il est quand même bien fait le mode, hein, je trouve. Il est quand même vachement bien fait. J'espère qu'il va pas en falloir 4 ou 5. Voilà, on va prendre le dernier. J'ai bien anticipé. Là, je suis content de moi, là. Hop, on va le mettre par là. Ok, nickel, parfait. On a une belle ligne. Ça, c'est beau. You have no more trees to plant, go back to your boss. Ok, j'ai pas d'autres arbres à planter. Je retourne voir le patron. Ok, nickel. Allez, c'est parti. Attention, nickel. Et je sais pas s'il y a d'autres possibilités dans ce mode. Par exemple, tondre la pelouse avec une tondeuse ou des trucs comme ça. Mais si jamais vous voulez une nouvelle vidéo avec ce mode, dites-moi en commentaire, éclatez-moi la barre de like. Mais clairement, je veux 3000, 4000, 5000, 100 000, 1 milliard de pouces bleus sous cette vidéo. Et là, je vous referai un autre épisode où on va vraiment saigner le mode. Mais pour ça, il faut m'éclater la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on essaye de battre un record. Hop. On va faire un petit truc, c'est que je vais sauvegarder le véhicule pour éviter qu'il disparaisse quand même. Hop, un petit saved vehicle, parfait. Je vais retourner voir mon boss, du coup il est là. Salut boss. Ouh, 10 000. Oula, bien vu, nice job. Ok, j'ai un nouveau travail du coup, ok nickel. Eh ben, je vais reprendre des petits arbres quand même. On va prendre ces 3 là. Hop, là on va reconditionner tout le matériel. Je parle comme si j'étais SP, alors que je suis simple jardinier. Hop là. Pourquoi il ne veut pas me le mettre Ok, nickel. Hop. Encore un autre. On va en prendre 3. On va tout le temps partir à 3. Hop là, nickel.
On va le mettre par-dessus. Nickel, je sais pas si je peux en mettre 4 en fait. Parce qu'autant que j'en prenne 4 directement. Hop. Parfait, on va le mettre de l'autre côté, ici. Ok, ouais, je pense que 3 c'est le max. Et on va aller vers notre client qui est finalement juste à côté. Hop là, attention. Allez, c'est parti. Donc on repart quasiment au même endroit pour une autre mission de jardinage. Oula, attention. Oh, c'est bon, il me fait un dos d'honneur, lui, il est fou. Ouais, c'est bon, allez, j'arrête de klaxonner. Oui, parce que depuis, c'était moi qui klaxonnais, là, hein, c'était pas les autres. Hop là, du coup, qu'est-ce que ça va être, là? J'espère qu'on va devoir couper des arbres et tout, tailler. Parce que là, c'est bien beau de planter des arbres, mais bon, moi, j'ai envie de tailler des haies. Faire des trucs de malade mentaux. Malade mental, pardon, malade mental. Hop. Nickel. Oula, mais à chaque fois qu'on passe ici, on se tape l'ombre d'un avion. Ça, c'est Los Santos International Airport. Hop là. Ils sont encore là, nos petits arbres? Ah, c'est grave stylé, ils sont encore là. Ok, du coup, notre client, il est ici. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je vais sûrement devoir tailler sa haie. Ou son petit buisson. Ok, d'accord, donc je pense que je dois tailler son buisson. Tout ça avec Flo. Hop, du coup c'est ça. Nickel. Oh, regardez comment c'est magnifique. Oh là 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 là. Bah allez, on va tailler son buisson rapidement là. Faire ça vite. Et hop là, du coup. Oh, regardez, je suis en train de tailler ça et... C'est laquelle l'autre? Ok, c'est là-bas. Hop là. Oh, j'espère qu'après je vais devoir tondre sa pelouse. Ok, nickel. On va se mettre ici au soleil hein, quand même. On veut du soleil là où ça fait, là où il fait beau. Nickel. Lui. Parfait. Et du coup c'est bon. No, go back to your boss. Ok, je retourne voir mon patron. Moi je veux tondre les gars, je veux tondre. Tondre de la pelouse, donnez-moi une tondeuse électrique là, que je fasse comme Mario Kart. Hop. Nickel. Allez, je retourne voir le boss du coup. Le boss de boss. Hop là, pardon. Nickel. Allez, c'est parti. Moi aussi hein, je peux klaxonner. Du coup, 1 km, hein, toujours la même route. Toujours au même endroit. Du coup, alors attendez, là j'ai taillé des haies, j'ai planté des arbres. Je vais sûrement devoir, comment dire, dégager des feuilles après. Et parce que le dernier outil, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est en gros un truc qui fait du vent. On voit souvent ça dans les villes, ils ont ça pour dégager les déchets et tout. Ça fait du vent et ça pousse les feuilles. Et je peux, si je veux, rajouter des feuilles. Mais ça, on le fera... Oh merde, si jamais on a l'occasion durant une mission. Oh là là, j'ai éclaté la poubelle, mais sévère. Hop là. Salut boss. Du coup c'est bon chez monsieur. 10 000. Oh yeah. Thank you. Ok, du coup to clean his garden, don't waste time. Ok. D'accord. C'est ici, ça marche. On s'engage directement. Hop, et sûrement que la vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Parce que j'ai vraiment envie de faire... Enfin, de découvrir le mode, car ça me plaît de fou. Ou alors je vous ferai une autre vidéo. Non, la vidéo va durer le même temps que d'habitude. Seulement, je vous ferai 2 vidéos. Parce que c'est vraiment mon délire, c'est ma cam, là. Hop, là. Ok, moi j'ai envie de tondre la pelouse. Je vais le dire à chaque fois, là. Mais je veux tondre, 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 tondre. Oh, le chien, il a pas de laisse. Ça, c'est dangereux, par contre. Hop. C'est mon petit côté policier qui ressort. Oh, punaise. Et la priorité à droite, là, oh. Ok. Ok, du coup. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je dois peut-être laisser garer le véhicule ici. Du coup, to the garden and clean the left. J'ai pas trop compris. Oh, attendez. Ah, d'accord, donc c'est ça le truc que je vous parlais. Regardez, hop là. Hop. Regardez. C'est... Non, c'est pas ça.
C'est toi, remets-toi dans le véhicule s'il te plaît. Hop, leaf blower, c'est ça. Regardez. C'est ça qui fait du vent. Et je trouve ça super stylé. C'est grave le feu. Ok, du coup on va faire ça, mais où est-ce que je dois amener les feuilles? Hop. Je sais pas du tout où est-ce que je dois amener les feuilles moi, donc je vais faire ça totalement au talent. Hop là. On va mettre les feuilles par là-bas, hein, parce qu'on m'a rien dit. Du coup, hop. Peut-être que je suis trop proche là pour retirer les feuilles qui sont là-bas. Ah voilà, c'est ça. Il faut être assez loin quand même, hein. Il reste une feuille dans le périmètre. Qui... Ok, nickel, c'est bon. Ensuite, il y a là-bas. Ok, d'accord, donc c'est bon, j'ai compris. En fait, il faut que je dégage toutes les feuilles qui sont dans le rond. Hop. Ah, attendez. Ok, nickel. Bon, bah. Hop. On a fini pour cette mission-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, je ne sais pas, en fait, hein. Oh, c'est une cinématique! Oula, 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 oula! Oula, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Je me fais agresser. Oh, c'est super stylé. Oh, damn it! Oh shit, what happened? Ok, donc il m'a rien volé là. Oh, c'est quoi ça? D'accord, c'est super stylé. Franchement, ça, je kiffe aussi. Hop, il est quelle heure? Il est 20h. Ah, donc je me suis fait tabasser. Il était quoi? Il était 14h, 14h10. Et là, je me réveille, il est 20h. Waouh! Mais là, ma mission, ma journée de travail à moi, elle est finie là. Qu'il me redonne pas une autre mission. Moi, je rentre et je dors là. Je vais surtout aller porter plainte. Le mec, il me tabasse. J'ai vu, c'était qui? C'était comment il s'appelle là? Le gros Renoir. Non, comment il s'appelle là? C'est pas Trevor, c'est pas Michael, c'est Franklin. C'était Franklin. Je vais aller porter plainte contre Franklin parce que il m'a tapé. Volontairement, il est arrivé, grosse patate. Bam. Moi, j'ai fait un gros coma. Salut, boss. Ah, il va m'embrouiller parce que j'ai pris trop de temps. Il va me payer que 5 000, vous allez voir. Salut. This mode, thank for playing hardened mode. Ok. Ok, bon, bah, on a fait le tour du mode en fait. Du coup, je vais pas pouvoir tomber de pelouse malheureusement. Mais bon, on a fait le tour. Eh bien, on a fait les trois missions. Et dans la dernière mission, je me fais éclater la gueule. Donc, c'est tout à fait normal. Bah, en fait, je pensais qu'il allait y avoir plus de missions, qu'on allait pouvoir faire un épisode 2. Mais finalement, non. Ce ne sera pas possible. Mais bon, attendez, est-ce que je peux quand même prendre les arbres et tout? Oh non, je peux même pas les prendre. C'est nul. Je peux plus me servir dans le véhicule, je suppose. Ah non! Ça, c'est nul aussi. Oh, il y a une hache de pompier. Vas-y, pour la peine, je veux faire un truc. Là, ils m'ont énervé. Hop, là, weapon. Get all weapon. Hop. Hop, là, moi. Je voulais travailler plus longtemps. J'avais envie de faire plus de sous-sous. Hop, là. On va faire ça très simplement. C'est à ne pas reproduire à la maison ce que je suis en train de faire. Hein. Vraiment, les gars, on refait pas ça. C'est très pas gentil. Très dangereux. Oh merde! Voilà! Un petit feu de véhicule. Regardez. Je fais brûler la camionnette. Je ne laisse aucune preuve comme quoi j'ai travaillé dans cette société. Ok. Oula, 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 oula. Oula, ouh, il pleut des débris. Oula, il pleut des débris, il pleut des débris. Ok, bon. Je vais me barrer avant que la police elle rapplique et que je me fasse éclater. Par contre, je suis dans un cul-de-sac là, j'ai bien l'impression. Hop là. Oh merde, je suis en train de. Je vais me faire avoir. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais me cacher là. Ici, là. Hop, là. Non. Ah, ici.
Parfait, ils vont jamais me retrouver. Du coup les gars, c'était Drixiz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un gros pouce bleu si jamais vous avez kiffé les gars, parce que moi honnêtement c'était un vrai kiff de faire cette vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo très prochainement. Là il y a deux policiers qui passent. Oh, il m'a même pas vu. Bah ouais, il me voit pas là, je suis trop bien caché pour eux. Même un hélico il me calcule pas. Eh bah ouais les gars, c'est ça le talent. Bon allez, on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Drixiz. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ciao, bye bye.